Alors bonjour, dernier match de la phase de poule du tournoi français qui va déterminer si je suis premier ou deuxième. Et donc je suis américain et j'ai une main. Pas incroyable. C'est une main Olympic Games, c'est pas incroyable du tout. Et donc Neito je le garde jusqu'à la fin, décolle je veux le spacer. Et du coup, j'ai pas trop d'autre solution que de mettre Olympic Games en headline. Espérant qu'il n'y ait pas une red scare. Bon, du coup, décolle, ça va partir dans l'espace. Ou je vais le garder éventuellement, ça c'est la question. Sachant que Varso, c'est pas très. J'ai Naito, donc Varso, le moment où je le joue, on s'en fout un peu. Spécialiste, très bien. C'est-à-dire que je peux jouer Naito. Et je garde Warsaw pour en dernière action. Et à voir si je mets fidèle dans l'espace, peut-être. Ou non, au Vietnam. À voir. Ou décolle, parce que je me dis que je pourrais pas le garder. Honnêtement, ça peut avoir le coup de mettre décolle dans l'espace. De toute façon, si je fais un space, il faut que ce soit décolle, parce que sinon, le locate me détruit. Il hésite, hein. Pourtant, j'imagine que ça va être de l'Italie à l'Allemagne. Quoique, ça dépend s'il veut faire un coup d'État ou pas, en fait. S'il veut pas faire de coup d'État, forcément, c'est différent. C'est de l'Allemagne, un UK potentiellement. Ou ça, un accord, il a spécial. Il a spécial. Il a la réussite. Ouais, elle a pas beaucoup de possibilités cette main. Hein. Elle a vraiment pas beaucoup de possibilités. Que dans l'espace, Vietnam révolte à la fin. Ouais, c'est une main un peu limitée, c'est une main qu'on puisse dire. Nasser, éventuellement, je peux le garder si j'ai pas un blockade. Mais dans tous les cas, c'est Warsaw qui va être gardé pour la fin. Ouais, donc l'enjeu de ce match, c'est uniquement la seed. C'est est-ce que je suis premier ou deuxième? Si je le gagne, je suis premier, confirmé, je l'étais déjà. Si je le perds, je suis deuxième. Ce qui fera que j'aurai un parcours un peu plus difficile dans la suite du tournoi. C'est pas. Il y a pire. Donc lui, il n'a pas une main géniale, j'ai l'impression. On va en profiter pour spacer.
Je sens qu'il va devoir protéger l'Italie à un moment. Tous les deux de ma moyenne, j'ai l'impression. Enfin, quoique, non, pas si moyenne que ça, c'est si elle est Suez, c'est quand même pas mauvais. Deux cartes à trois, deux événements. Il y a moins de possibilités. Ok. Bon, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je me manque un peu de possibilités là. Je vais refaire ça, hélas. Je suis pas fan de ce move, hein, mais j'ai pas le choix. Ok, donc il a containment. Donc j'ai plusieurs choix, je peux lui faire un coup d'état là ou au Liban. Lequel des deux? Non. Comment? France, c'est pas si important, au stade où j'en suis. Et ensuite, 1, 2, 3. Bien sûr, moi j'aime me débarrasser de Vietnam Revolt. Pas un super premier tour.
C'est vraiment beaucoup moins important qu'ils me prennent la France ou pas. Je pense que je vais juste faire ça pour l'instant. Ça ne me donne pas la domination, mais... Au moins, j'ai une carte guerre pour le prochain tour, et j'espère qu'il n'aura pas combo de la mort. Ben voilà, très bien. Destal, parfait. Élimination. Donc, je pense qu'il va être hésitant à jouer la Destalini. Je pense qu'il va être très hésitant. Je pense pas qu'il jouera Red Scare sur le coup, donc je vais tenter le coup. Tenter le coup et je vais un cover. Voilà, je m'en doutais. Ok. Ça peut paraître un peu faible comme move, mais ça a une certaine utilité, notamment s'il n'a pas le plan Marshall. Notamment s'il n'a pas le rogue, je veux dire. S'il a le rogue, je sors tout de suite. Donc il a joué Arabe Israël, très bien. À mon tour de prendre des opérations militaires. Alors, défecteur de Coréen, il me reste. Qu'est-ce que je fais avec cette carte? Est-ce que je la space ou est-ce que je la tente? Sachant que si je la tente, si je la tente pas, je vais devoir mettre un en France à la fin. Il n'a pas le Canada, hein. Je pense qu'il va la jouer. Dommage.
parfait. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a? J'ai bloqué. Il a 2 goals lui. Il a 2 goals. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a US Japan. Il a Truman, j'ai 2 can cover. Il a une dépendant red. J'ai Middle East et Red Scare. Et il a une éclair tête ban. Donc avec ça, je peux lui faire perdre au moins. Je peux lui faire perdre au moins 3 points. Et en plus, son De Gaulle ne pourra pas marcher. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Putain, j'ai des colles en plus. Donc du coup, il y a une discard. Et des colonisations qui va aller dans l'espace. Et NORAD, donc il n'a pas ses accès. Et Olympic Games. J'ai toujours envie de lui enlever. Voilà. Donc il reste 7 cartes en main. Bon, Truman, ne pas oublier Truman. Putain, il met des gros résultats. Décolle dans l'espace, bloqué avec des stalles. On va jouer Middle East. Il y a quand même des grosses cartes, il a gagné la panne, il a gagné S-Ban, De Gaulle. Ça fait que je vais avoir un peu de mal à tout peupler. Ouais, moi je peux rien faire contre ça. UN fait chier. Quoi? Il n'a pas eu la panne? Mais il va le mettre dans l'espace du coup.
Fou, c'est pas incroyable, quoique, il y a colonel regarde qui est pas mal. Regarde se défend, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Portugais empire pas ouf, OS, ok, donc c'est une main à événement quoi. Bon alors, allez. Du coup, admidoir. Donc, how I learn. Alliance. East Open and West. Gunman, hélas. Ask not. Salt, bah tiens, salt, c'est intéressant ça, salt, ça me rattrape le jeu. Colonel regard donc. Et portugais empire crumble. Ok. Je sais pas pourquoi, c'est une carte à 4 quand même, c'est intéressant. Allez. Alors, pas de main. Oh putain, il a réussi le bordel. Ce genre de dé. Ok, si tu veux, mais il n'empêche que moi, du coup, maintenant, je peux me projeter très facilement un peu partout. Avec Salt, Asknot et compagnie, mais en même temps Asknot, ça j'ai bien envie de le garder pour un IBM. Donc ça veut dire de prendre tout le contrôle de l'Amérique du Sud. Le colonial c'est Angola, Zaïre, Nigeria et Algérie. Peut-être même à la toute fin pour le. Et donc je vais tenter peut-être de garder Long Gunman, c'est à voir. Je pense que j'aurai des occasions de m'en débarrasser malgré tout. Faire un ask note pour juste portugais et Long Gunman, c'est dommage. Grosse main. J'envoie de l'Europe.
Ouais, très grosse main. Par contre, j'ai les accès, pas lui. C'est ça qui me sauve. Il a eu les. J'ai la carte maintenant. Peut-être un peu là. Ok, au bec, très bien. Pour ma part, ça sera un petit peu le nul à la garde. Hop là. Je vais casser l'Algérie. Je vais casser ça, et est-ce que j'ai juste un peu peur de mes coups d'état qui lui rend, qui lui donne accès à l'Angola? Est-ce que je le mets? Intéressant. Très intéressant. Mais une main de merde, une main de merde, le VSF Maracas, c'est pas très intéressant de le garder maintenant. Je pense que le mieux, ou un usurier, ça pourrait être intéressant par contre. Usurier, ça peut lui mettre une pression de dingue, mais en même temps, et missile en vie me nique, donc non. Dans tous les cas, on va mettre ça, mais du coup, on a ABM. ABM. Voice of America, je manque quand même d'opérations dans cette main. Alien D, Che, Asie, Central. Usuri, et ça existe. C'est important ça parce que ça peut permettre d'avoir la domination de l'Asie. J'ai besoin de récupérer des points là. Je vais devoir jouer Che, je vais devoir jouer l'IND. Il a encore un gros résultat. Yes, il l'a pas. Ok. Ok,
Bon, Asie, Southeast. Ah, t'es chier. Bon, j'ai bien le OSF américain avant la fin. Il va servir d'ailleurs, mais putain, je suis con. J'aurais dû l'utiliser là. Asia, Central, non, Central, non, Southeast, puis Central. De Mexico, hein, Panama, un Thaïlande. Alors, Latin American Discord, ça va être dans la discard. Ville de Rio, ça va être dans la discard. Et un race, ça va aller dans la discard. Et il n'a pas pupette ni discarding. Ouais, c'est ce que je craignais. Tac, tac. Alors, est-ce qu'il peut avoir un NATO? Non, je veux pas. Flow of Power, c'est moi. Globalement parlant, il pourrait avoir un NATO. Et NATO, je veux pas. Donc, on va plutôt lui faire un coup d'état. Ah putain, t'es chier, pas de chance. Et on va jouer culturel le plus vite. Ça ne fera pas de cœur, donc ça va.
Donc, je vais capture le direct. Et il commence à avoir des cartes chiantes pour genre. Il va y avoir quelques cartes chiantes. Notamment Nixon. C'est pour ça qu'il faut que je joue Cultural très vite. Ok. Yuan a été joué, hein. J'ai oublié de la protéger, c'est dommage. Et du coup, pour ma part, là, je peux faire des règlements. Donc l'Europe, après Genève à la fin, sa date à l'ND. Donc là du coup j'ai la carte à Chine jusqu'à la fin si je le veux, ce qui est pas plus mal. Est-ce qu'il y a des codes dans la discarde ou pas? Oui, des codes, je l'avais repioché. Hein. Je l'avais repioché. Non, il n'y est pas, une discarde. Si, elle y est. C'est très bien. Ah putain, bordel, pas de chance sur ce coup. Mais les coups sont vraiment pas terribles, hein. Ok, ça sent pas très bon ça. Idéaliste, ça se tente. Rochoir, ça se tente aussi carrément en fait. Ouais, ça se tente même carrément.
Il n'y a pas une main incroyable. Donc lui, qu'est-ce qu'il a? J'ai Cambridge. Il y aura Arabie Israélite qui est inutile. J'ai Comic-Con. Donc, qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a NATO. Il a Nixon, donc il me brouille. Il a Puppet, non, Jean-Paul, ça a été joué. Defector, c'est moi. Il a Africa et il a Summit. Donc, laquelle des deux? L'Italie, ça sera ma seule chance et ça me permet de reprendre toute la domination. L'autre, en même temps, c'est un scoring et je l'ai maintenant. Logique. Ok. Donc, est-ce que ça vaut le coup de jouer un brace? Je pense que oui. Ouais, je pense que oui dans tous les cas. Mais en même temps, non. Ouais, tu es sérieux un peu. Hop, ça va clairement aller dans l'espace. Quoique, je cherche seulement un point, honnêtement, ça peut se casser en Libye. Hein. Minaliste, Asie, OPEC dans l'espace, ouais, faut que je joue un Braille, quand même, ça peut devenir dangereux sinon. Donc OPEC, espace, ouais, du coup, si je joue un Braille, ça peut me permettre de jouer OPEC, peut-être. Tendu comme partie, ça jouait pas grand chose. Je pense que je suis devant, mais je suis même pas sûr parce qu'avec l'aléatoire, l'aléatoire c'est un autre bordel. Asie. Amérique du Sud, ok. Enfin, ouais, comme ça sera fait. Yes, il l'a loupé. L'Asie. Il a Puppet, hein. Il a Puppet, Arabie Israélite et Semite, je peux me tromper. Il faudra que je mette un en France en plus, pour pas qu'elle soit vulnérable.
Est-ce que je fais ça ou est-ce que je le space? Si je le space, ouais, ça change pas grand chose hein, de le spacer. Bridgefly avec un en France. Et un Venezuela. Un Nicaragua sinon tout simplement. En France, un Nicaragua pour le réaligner, ça peut être pas mal. Voilà, on va très bien. En plus, j'ai la China card, donc pour la Thaïlande, c'est parfait. Intéressant, parce qu'il tient mobile, est-ce que je peux le casser comme ça? East Open and Rest, puis 4, 3, 3. Attends, j'ai pas trop de risque. Missing on vie, c'est quand même un peu risqué à ce stade-là du jeu. C'est quand même un peu risqué tout ça. Alors, 4, 3, je la prends. Et sinon, 4, 3. Et ensuite, il me faut encore 7 d'influence, ça fait quand même beaucoup, hein. Ça fait tout mon tour passer dessus. Je trouve que ça fait un peu trop. Qu'est-ce qu'il reste? Afrique, Asie, Middle East, South, donc il reste l'Amérique centrale et ça. Et là, globalement, on aide, on rajoute la late war, ce qui fait que malgré tout, il pourrait gagner. Je peux pas prendre ce risque alors que je suis devant. On va commencer comme ça. Dommage que le pavé n'ait pas eu lieu. S'il veut faire un coup d'état, je reprends la Thaïlande. Mais honnêtement, ça me va. En même temps, c'est risqué, putain. Avec le gunman, c'est très risqué. Ça peut aussi être un coup à perdre. Et il sait que le gunman. Enfin, si, il doit savoir. Ok. Il fait de buffer spécial. Ah, il va faire le Canada, bien sûr. Marine dans l'espace. Également, il est bien, mais il reste 2 points de victoire. Ça peut se défendre. Ah merde, il y a des stalles. Mmh.
On va reprendre le UK Canada. On va faire une spéciale. Pour sécuriser un pays, à voir lequel. Reagan est spécial. Ouais, c'est 4 points, je sais pas si ça va le coup. Il me reste 3 cartes à jouer, j'ai pas de personnes militaires, donc il va me faire un coup d'état, 3 cartes à jouer et un espace en événement. Bon, du coup, on va prendre l'Inde. Ah, surtout, tu l'as oublié parce que c'était une bonne manière de gagner ça. Ah, comment je fais que ça a été joué? Enfin, en termes de chance, ça me semble plutôt équilibré. Hein. Il a des très gros résultats de dés, il a pas eu les accès, mais il y a eu des cartes sympas. Donc, plusieurs solutions. Là, est-ce que l'Asie peut facilement la prendre? Il faut encore qu'il prenne. Moi, j'ai 7 pays. Ouais, il va galérer à prendre toute l'Asie quand même. Hein. Il va galérer de ouf et moi, en attendant, je peux prendre des dominations. Ce qui m'intéresse quand même plus. Ça reste très tendu hein, parce que malgré normalement il devrait pas pouvoir me faire défausser le gunman, je vois pas comment en fait il pourrait. Les deux cartes qui me permettent de me faire défausser sont toutes les deux parties, mais quand même. Spécial 2 au Canada. Un coup d'état. Au Cameroun ou au Zimbabwe, à voir. Zimbabwe, c'est pas mal aussi. Non, Cameroun, c'est mieux. Cameroun, c'est mieux. Je savais que tu l'avais. Un, deux, trois, j'imagine, comme ça. Ça c'est une erreur je trouve parce que
Il aurait pas dû faire un coup d'état sur le Nicaragua. Parce qu'il y a une carte qui permet dans le système d'influence de faire un coup d'état sur Haïti. C'est une petite différence, mais ça peut jouer. Enfin, c'est pas une grosse erreur, mais c'est un petit détail. Marine, ça peut lui avoir le coup de le jouer malgré tout, ça va voir. Donc là, qu'est-ce qu'il reste? Il reste l'Amérique centrale et l'Europe. L'Europe, elle est à peu près safe, même si, cela dit, il y a Reformers qui peut bien me péter les couilles. Spécial au Canada, histoire de l'emmerder, de lui casser l'Argentine ou autre. Ouais, c'est à mon avantage, mais j'ai pas encore gagné. Et là, ça fait quand même reste. Merci, elle, ok, très bien. Voilà. Merci, elle, qui est vraiment sans dégâts pour lui. Marine, c'est une carte aussi qui a 1$, mais à voir. Bon, j'ai pas envie de perdre le middle-liste. Je vais la spacer, à voir. On va voir, mais je risque de la spacer. Ça dépend ce qu'il enlève aussi. Dans tous les cas, je peux pas aller à Cuba. Pas avec le gunman en main. Enfin, ouais, non, trop risqué malgré tout. S'il y a une risquée, quelque chose comme ça. Trop risqué. Le mettre là, pourquoi l'Iran, c'est pas le meilleur choix. C'est pas du tout le meilleur choix, mais moi ça me va très bien. Ça me va très très bien si tu choisis l'Iran. Ok, du coup. Il y a le missile en vie qui est là, ok, donc c'est intéressant de garder IBM Treaty.
Reformer, très bien, ce sera dans l'espace. Tu mets une missile créatrice maintenant, du coup j'ai pas envie. Je pense qu'on va jouer Five Airplane. Ortega est pas une carte très dangereuse. Je peux même le faire après avoir aligné Cuba. Bon, c'est un, il y a un micro risque pour le jouer, mais je prends le risque. Vous n'avez pas encore gagné. Hein. Indien, Chili qui relou, Cuban, Latin American Squad et Ortega. Ça charme. Ok, il a fini par l'avoir. Je devrais lui faire un gros alignement qui tâche. Avec Cuban Missile Crisis à Cuba puis à Mexico. Bon, la fréquence qu'elle est. Non, elle est même pas perdue la fréquence en fait, elle va être égale. Bon, par contre, il risque de me prendre l'Asie après. Il faut que je me méfie du Middle East, il faut que j'en remette ici au Middle East. Il faut quand même se méfier. Hein. Parce qu'il faut que j'ai l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et l'Europe. Et l'Afrique, il faut que je l'égalise. Ouais, un gros coup qui tâche en Angola, c'est important d'avoir l'Afrique. Est-ce qu'on a une carte? 29. On ne sait pas s'il y aura l'Europe, on ne sait pas s'il y aura la Mecque centrale. Ça vaut le coup de reprendre l'Iran quand même. Ok, bah, très bien. Oh putain. Qu'est-ce qu'il a fait hein?
Faut que j'aille en Iran rapidement. C'est 3 points l'Iran. Enfin, c'est dans l'espace, donc c'est check que je vais jouer, c'est un peu chier parce que ça veut dire qu'il va faire des coups d'état en Amérique centrale, mais j'ai pas le choix. Et ensuite je vais commencer à prendre la domination en Amérique du Sud aussi. Portant ça. Ce qui est bien, c'est que vu que je lui ai enlevé une carte, il va peut-être devoir jouer la China card. C'est possible. Il y a l'air d'avoir des choix difficiles à faire. Bon, j'espère vraiment tirer l'Europe, parce que si elle a l'Europe, je pense que c'est bon. Je pense sans garantie, mais je pense. Oh, fais chier, j'ai oublié d'enregistrer le match. Putain. C'est un bon match en plus. J'ai déjà pensé à la coupe aussi. Ah putain.
Trois cartes chiantes. Espace 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, maintenant ça passe pas. Putain, mais il est quand même devant, hein, 12, 16, mais je devrais pouvoir faire un gros tour. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, ok. Thank you.
Logique. Ouf, il est important ce jeu de dés. Donc 5, 6, 6, 6, 6, 6, 5, ça fait 17. C'est grave de lui donner 2 points si moi ça me permet de récupérer. Je pense que ça vaut le coup. Ah putain! Quoi, tu sauras que je gagne, hein? 5, 6. Où est-ce que je peux mettre la dernière influence? Il n'y a pas vraiment d'endroit bien où le mettre. Pas vraiment d'endroit bien où le mettre. Cinq, quatre, huit. Quatre,
Donc là, il va pouvoir reprendre 1. Donc il passera à 4. Là, ça devrait être assez. Six.